Et on inaugure la carte, les prelims, après la fin des early prelims. On a le cinquième combat de la soirée au 360 MMA Fight Night avec un combat de cogneur. Oui, on a pris là des poids assez lourds étant donné que la catégorie était... Striker face à Mamadou qui est également un striker. Des échos que j'ai entendus lors d'un interclub, il a envoyé des low kicks très 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 violents à son adversaire. Donc à vérifier aussi, on sait bien que quand tu as deux gars puissants comme ça, les low kicks deviennent une arme assez intéressante pour essayer de ralentir un peu, ralentir la possibilité de transfert de poids, de faire partir la puissance du sol. Donc c'est contre deux personnes dangereuses, tout ce que tu peux faire pour enlever un tout petit peu de puissance me semble être idéal pour ta survie. Alors qu'on voit du côté des Red Kings, Alain Neder qui se prépare à faire son entrée dans le ring sécurisé ici au centre Jean-Bois à Mont-Saint-Guibert. Et d'ailleurs un excellent choix de musique pour Alain Neder qui rentre sur du belge avec Stromae, ta fête. Va-t-il assumer sa musique d'entrée? quand t'écoutes les paroles, c'est toujours aussi genre il va te la faire, ta fête, quelque chose comme ça. C'est vraiment l'objectif d'Alain Neder ce soir. Il semble en bonne posture, assez bien concentré. Il semble son match, comme on dit. Tout à fait, hein, c'est un expérimenté. Je sais pas combien de combats il a en boxe français. Je pense qu'il en a près de 20. Donc il est habitué des combats et c'est de là que vient certainement son aisance sur son visage. On va faire son entrée dans la cage. On dit que c'est pour la toute première confrontation du côté des prelims. Le cinquième combat ce soir sur 14 au total, alors que... En direct du centre Jean-Moisse à Mont-Saint-Guidard et partout dans le monde sur Facebook et YouTube, c'est le 360 MMA Fight Night Genesis. Voici la carte préliminaire avec tout d'abord un combat chez les Light Heavyweight, on introduit en premier dans le coin bleu un striker pesant 90.3 kg, Mamadou Lamine Dembélé. Et face à lui, dans le coin rouge, représentant Red Kings, un striker pesant 87 kg, deux beaux bébés enfermés dans ce ring sécurisé pour ce combat qui fait l'ouverture de la carte préliminaire du 360 MMA Fight Nights Genesis, ici au centre Jean-Moisse à Mont-Saint-Guibert en ce beau 29 octobre. Deux rondes, 5 minutes, on a pu voir la concentration. On parlait du stare de Kélig Pinson tout à l'heure, donc le regard assez poignant. Celui d'Alain Neder était pas piqué des verres non plus. Alain Neder, les gants rouges. Mamadou, les gants jaunes. Et c'est parti avec une première tentative de high kick de la part de Demé. Et oh, direct et high kick, oulala, ça commence fort dans ce combat. Bien sec de la part de Alain Neder, on le voit revenir en position rapidement. Une excellente technique, esquive le low kick, est toujours en position. Se place un tout petit peu sur sa droite, place une kick. Oh, oh! Quelle droite! Quel KO! Oh! Merci! Bonsoir! Bonne nuit! Ouais, on l'a pas vu venir celle-là. C'est Alain. Droite. Oui, à l'entraînement, j'ai justement rigolé avec Alain parce que ses bras sont. La distance entre ses deux bras est plus grande que sa propre taille. Donc il a une son super. Son reach est plus grand que sa taille. En effet, son reach est plus grand que sa taille. On pourrait l'appeler The Eagle. Et je pense que son adversaire en a fait les frais parce que c'est le genre de coup qu'on voit pas venir. On se dit jamais il va me toucher. Faut aller le porter celui-là. Je crois que même Bipost n'avait pas les ressources qu'il fallait pour aller le porter jusque sur la mâchoire de Demé. Et Alain Neder, lui, avait les ressources nécessaires pour aller délivrer le colis. Pas besoin de signer. Il est à toi. Merci, bonsoir. Mais quel chaos. C'est impressionnant de générer autant de force à une telle portée. On voit d'ailleurs, en reculant, et on avance et on place déjà un jab. Jab direct. Ah, ça c'est avec le high kick. Combat, avec le high kick. Et c'est beau de voir Alain rester si focus et pas se rusher. Et c'est là que le overhand. Ouais, il va le chercher loin. Oui.
et ça tombe sur le menton en fait, c'est vraiment de la précision. Et un beau geste là de la part de Alain qui n'a pas jeté un coup supplémentaire. Il n'a pas attendu que l'arbitre cesse le combat, a vu directement, je crois, un boxeur expérimenté comme ici, lui. Si on le voit, il arrête vraiment son coup, c'est beau de voir ça, ça me fait vraiment penser à Nate Marquardt contre Demian Maia. Très très beau geste de la part de Alain Neder. Un coup qui n'aurait absolument pas été nécessaire, la présence d'esprit de le voir. Dans le feu du combat, tu peux peut-être, avec l'instinct, aller jusqu'au bout. S'arrêter directement une fois que le KO a été enregistré, on a vu Alain Neder aller voir son adversaire. Et là, forcément, bon, comme toujours, les arbitres qui lui suggèrent de rester quand même un peu de son côté. Et on va soigner comme il se faut Abdoulaye. On l'a vu reprendre connaissance. Il est bien, il est OK. Subit un KO et ça ne donne rien de se presser à faire en sorte qu'il se relève. Et on le voit d'ailleurs, là, il est debout maintenant sous les applaudissements du public. Et de, encore une fois, Alain Neder est tout le point d'Alain Neder et des Red Kings. Alors que nous allons avoir la décision officielle maintenant avec Mamadou qui a clairement repris ses esprits sous les bras de son entraîneur. Le combat a été arrêté à la 27e seconde du tout premier round et nous avons un gagnant par KO dans le coin rouge. Hein?